Du coup, est-ce qu'on m'entend mieux? Je ne sais pas, je vais essayer, au pire, vous me couperez. Je vais citer à ce sujet Gilles Ratier qui dit, concernant cette nouvelle génération, pourtant, une nouvelle génération d'auteurs prolifiques, réalisant indifféremment texte et dessin, se profile nettement. Ce mouvement, qui défend une BD d'auteur, est surtout représenté par des personnalités telles que Dupuis et Berbérian, Gossens, Mathieu, Moïno, Rabaté, David B., Trondheim, Sfar, Davodo, Mazan, Deltan, Larsenet, Blin, Guibert, Chaboulet, Delisle, Bérillon, Chaudy, Dumonteuil. Ça continue jusqu'à l'iranienne Satrapi. On voit bien que ce qui fait génération n'est pas tant donc la simultanéité de ces arrivées sur la scène professionnelle que le partage, je disais, de pratiques, de caractéristiques socioculturelles et de revendications artistiques et professionnelles. Pourquoi tout ça? Finalement, parce que le numérique et surtout la possibilité de publier en ligne est à l'origine de la génération suivante qui va rapidement envahir les rangs des maisons d'édition et les étals des librairies. C'est important parce que cela montre que la bande dessinée numérique, même si elle est complètement marginale dans les enquêtes sur les pratiques de lecture, elle est en réalité en fait au champ de la production actuelle et du 9e art. Pourtant, au tout début, rien ne prédestinait ces créateurs et créatrices à modifier la composition du groupe socioprofessionnel des auteurs du livre. En effet, au commencement, celles et ceux qui ont choisi de créer, de publier en ligne, le faisaient plutôt dans le cadre d'un partage interne, d'une communauté réduite d'une cinquantaine de personnes tout au plus, dit Julien Baudry. Et puis on le verra assez vite, pourtant, il se tourne vers l'extérieur. Donc, je parle du blog, hein, mais qu'est-ce que c'est le blog? Je ne sais pas si, désolé pour celles et ceux pour qui c'est un rappel, je ne sais pas à quel point notre audience est jeune, puisque c'est un phénomène qui est déjà dépassé. Je m'arrêterai juste rapidement sur les blogs. Il s'agit de l'utilisation d'un site pour proposer des créations inédites, avec des caractéristiques formelles, donc d'organisation, et un ton relativement homogène, mais une grande diversité de dessins et dans le fond. Qu'ils soient dessinés ou non, les blogs sont prévus pour accueillir des notes ou des posts relativement brefs. Ils sont éminemment personnels, on publie rarement la création ou la réflexion de quelqu'un d'autre, même si ou alors c'est signalé comme tel. Les blogs sont publiés périodiquement, avec une temporalité variable. Certains sont extrêmement rigoureux, d'autres sont plus à l'improviste. La disposition est antichronologique. La mise en ligne la plus récente est la première à être accessible, mais toutes sont consultables grâce à des archives et parfois des mots-clés ou des rubriques. Enfin, la notion de communauté est une donnée très très importante. Les membres sont réunis en groupe d'affinité, ils font corps et ils se revendiquent explicitement comme des membres de la blogosphère et les auteurs et les autrices se rappellent les uns les autres. Il s'agit donc d'une œuvre éparse qui n'est pas donnée à lire d'emblée mais offerte au gré des mises à jour, entremêlées à des contenus variés. Un phénomène en France, c'est les blogs BD sont apparus en 2003, mais c'est un phénomène qui prend rapidement une grande ampleur jusqu'à devenir ce que Laurence Bouyer qualifie de phénomène culturel de masse. En effet, on a tout d'abord une abondance de la création, puisque Gilles Ratier recense plus de 15 000 blogs au plus fort de la vague au début des années 2010, et on a aussi des chiffres de lecture d'une ampleur rarement égalée. Les auteurs et les autrices les plus populaires ont des dizaines de milliers de lecteurs, de lectures quotidiennes. Boulet, par exemple, m'a confié dans un entretien qu'on a eu ensemble d'avoir parfois 60 000 visiteurs uniques par jour. Alors lui, c'est évidemment le mastodonte et l'archétype même de la bande dessinée, mais les blogs les plus populaires, comme ceux de Pénélope Bagieux ou d'Igli, Marion Montaigne, drainent quand même des chiffres d'audience considérables qui attirent rapidement les maisons d'édition. Donc à la base, Internet a été, je l'ai dit, au tout début principalement mobilisé comme un à côté ou comme un canal de diffusion interne, ou une façon de s'amuser entre pairs, mais à partir de la publication du blog de Frantico par Albin Michel, le blog de Frantico de Trondheim, toutes les structures éditoriales, ou presque, se mettent à imprimer et à vendre de façon plus ou moins retravaillée les pages qui existaient préalablement en ligne. Parfois, ils créent même des collections spécialisées pour montrer que c'est vraiment un phénomène important en librairie. Et puis, ces publications font même parfois entrer de nouveaux acteurs sur le marché, à l'image de Jean-Claude Gazevitch, qui, suite au succès de l'album issu du blog de Pénélope Bagieux, s'est improvisé éditeur de blog de bande dessinée, alors qu'auparavant, il ne publiait que des essais d'actualité. Il a, lui aussi, créé une nouvelle collection, Tendance Fille, qui est fondée sur le concept doublement médiatisé de blog graphique féminin. Et cette croissance va vraiment en s'accélérant. Hein. On a deux blogs publiés en 2005, en album, 33 entre 2006 et 2009, et puis 415 entre 2012 et 2016, selon les recensions de la CBD. Ce phénomène de récupération des contenus en ligne ne se limite pas aux blogs. Même si la blogosphère a plus ou moins disparu ou n'est plus à son acmé depuis 2016, la tendance se poursuit aujourd'hui avec la publication de nouvelles formes de bandes dessinées en ligne. On pense principalement aux bandes dessinées sur Instagram qui font figure de tête de proue, puisqu'on a eu plus de 30 publications en album au cours de 2021, mais aussi quelques webtoons de façon plus marginale.
Ces publications en album, pourquoi ? Bah parce qu'elles semblent arranger tout le monde. Évidemment, pour une majorité des auteurs et des autrices qui publient initialement en ligne, l'apparition de leur œuvre, même si à la base ce n'était pas prévu pour, elle fait souvent acte de légitimateur, enfin leur apparaît comme un moyen d'obtenir une légitimité quant à leur place dans le champ de la bande dessinée. En effet, malgré une pratique validée et reconnue, une pratique numérique validée et reconnue par leur père, le livre reste toujours un effet centripète et qui paraît comme le but suprême. Julia Chiron remarque par exemple en 2018 que la récompense attribuée aux lauréats du concours de la révélation blog, donc des gens qu'on salue pour leur travail numérique, c'est un livre. Donc on voit vraiment que la présence sur Internet n'est pas suffisante. Au cours des entretiens que j'ai menés avec une trentaine de créateurs et de créatrices de contenu numérique, plusieurs fois des mots comme soulagement ou légitimité sont arrivés quand on parlait de la parution de leur premier album. Au sein de mon corpus, par exemple, il y avait cette façon de lier son identité professionnelle à un album. Et plusieurs personnes ont dit qu'elles se sentaient professionnelles seulement quand elles ont un album. Elle est partagée par Pochep, JB, Digli, Fonchon Raposo, Melaka, Marie Spénal, donc pas mal de gens avec des profils très différents. Marie Spénal, je vais vous lire ce qu'elle m'a dit parce que c'est pourtant assez intéressant. Elle montre à quel point c'est une association paradoxale. Le papier, c'est cool. Ça me donne une crédibilité. Donc je suis contente d'avoir sorti 2 livres. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je suis officiellement autrice, c'est bon, c'est marqué. Mais en vrai, quand je publie quelque chose en ligne, c'est énormément plus vu que quand c'est sur format papier. Donc ça devient du snobisme de vouloir faire des livres papier. Je vais continuer à en faire, car ça donne quelques avantages. Mais si je veux être lue, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Et l'aspect financier, je ne m'y retrouve pas. C'est plus du dédommagement qu'autre chose. Donc au bout d'un moment, ça n'aura plus aucun intérêt pour les auteurs de publier des livres. Malgré tout, donc je disais, malgré des fois des chiffres de lecture à des milliers d'exemplaires, on voit quand même... que ça ne suffit pas et que certaines et certains préfèrent d'être en livre, même si ça suppose un tirage à 5000 exemplaires à peine, des droits d'auteur dérisoires, on sait que 10% c'est souvent le meilleur des cas, et une compétition féroce avec une surabondance des maisons d'édition qui font se concurrencer en tout cas 5000 bandes dessinées chaque année. Les raisons sont multiples, donc il y a vraiment dans la centralité de l'album dans le champ francophone, le poids du prestige accordé à l'objet livre, cette exception culturelle française qui a même des tarifs douaniers particuliers, à laquelle s'ajoute, à ce prestige de l'objet album, le statut culturel spécifique du blog, pire encore s'il est estampillé girly, qui est extrêmement déprécié et dont on peut légitimement avoir envie de se détacher. Il y a aussi des raisons matérielles, hein, qui sont la fragilité de la mémoire numérique, sur laquelle on reviendra en conclusion, qui fait que les œuvres numériques peinent à être sauvegardées, donc le passage par le livre permet donc pour beaucoup d'assurer une pérennité à un travail. Et puis des raisons économiques, parce qu'à l'exception de celles et ceux qui ont des larges communautés et qui peuvent passer par Patreon ou Tipeee, il est souvent très difficile d'être rémunéré pour un travail uniquement numérique, parce qu'il n'y a pas de source de revenus fiable et pérenne pour la diffusion en ligne. Le livre est alors perçu comme un moyen de se rembourser, mal, mais quand même, un peu les heures investies. Et puis des raisons institutionnelles, hein, parce que les structures institutionnelles, comme les bourses, les syndicats, les instituts d'aide, sont souvent très rigides et ont majoritairement pas de catégorie pour classer les auteurs et les autrices qui n'auraient pas de livre. Donc même en avoir un, même sans que ce soit le but initial, permet de rentrer dans une case, d'avoir un numéro de SIRET ou un ISBN et d'obtenir enfin aide et soutien. À l'autre bout du spectre, on imagine sans mal les raisons qui poussent les structures éditoriales à faire venir en ligne, essentiellement un intérêt économique, hein. Julien Baudry, ici j'ai Julia Chiron qui dit « Un éditeur publiant un blog qui génère 15 000 visiteurs par jour peut espérer une audience au moins égale. » L'éditeur du blog de Pénélope Jolicoeur, Jean-Claude Gazevitch, avoue clairement s'être intéressé au blog de la jeune illustratrice en raison de son succès. Julien Baudry s'interroge sur la pertinence de ce calcul parce qu'il dit que plusieurs artistes ont été repérés en ligne mais ont publié autre chose. Néanmoins, tous les entretiens que j'ai menés, et c'est une impression largement partagée, que c'est plus que le style, plus que le dessin, l'histoire ou le récit, c'est bien la communauté et les abonnés en ligne qui sont les principaux vecteurs d'intérêt lorsque les maisons d'édition approchent et sélectionnent des créateurs et créatrices de BD numériques. Quelles que soient les motivations des unes, des uns et des autres, cette incursion de la scène numérique au sein de l'industrie de la bande dessinée a contribué à modifier la structure professionnelle de ces acteurs et actrices. Ce phénomène, il est valable dans toute la francophonie, également en Suisse. J'ai mis ça parce qu'on parle toujours de BD franco-belge, mais ne nous oublions pas. Et il est même suffisamment saillant pour être relevé par des médias d'information généralistes, à l'image de la radio-télévision suisse, qui dit « Une nouvelle génération d'auteurs de BD émerge en Suisse romande ». Ils s'appellent Pierre Schilling ou Vami. Ces auteurs de bande dessinée ont pris la relève de grands noms comme Cosset, Derib et Zep. Une émergence favorisée notamment par les réseaux sociaux. On les excusera pour le langage pas inclusif, mais c'était en 2019, on espère que ça a changé depuis.
Et donc voilà, Internet fonctionne comme un accélérateur de deux façons différentes. Soit ce sont, comme on l'a vu, des artistes qui publient spécifiquement en ligne et qui ont été repérés et dont on a publié le travail tel quel, pour travailler. Soit ils publient aussi des bribes d'un travail perçu par ailleurs comme plus conventionnel, directement et uniquement pour du papier, mais Internet les a rendus visibles. Il y a évidemment toujours des gens qui passent par une voie considérée comme vraiment traditionnelle, sans faire valoir ni une présence en ligne, ni un nombre d'abonnés, ni que sais-je, et qui envoient directement aux maisons d'édition. Mais mes recherches, et celles de plusieurs chercheuses et chercheurs, montrent que c'est bien l'incursion des premiers de la sphère Internet qui a, ce n'est pas ouvert, en tout cas, agrandi la brèche pour les suivants. Et à l'instar, voilà, on arrive, je finis la boucle qui a été commencée au début, à l'instar des renouveaux générationnels précédents, celui-ci se caractérise bien évidemment par un rajeunissement, mais ce qui est plus intéressant et plus inédit encore, par une féminisation de la profession. Parce que c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous lister toute la longue liste pour la génération des années 90. Il n'y avait que des mecs, avec Satrapi, mais voilà. Donc ici, enfin, ce renouveau nous permet une féminisation. Je m'arrête juste quelques instants quand même sur cette notion, parce que la féminisation est une notion à manier avec précaution. On a en effet eu longtemps une image imprécise et tronquée de la place des femmes autrices de bandes dessinées. Tout d'abord, comme l'a montré Jessica Cohn dans tous ses travaux et dans son excellente dernière séance de la dernière fois, on a longtemps sous-estimé le nombre de femmes qui produisent de la bande dessinée franco-belge classique, en réduisant leur nombre à, je crois, 5, donc plus ou moins rien. Pourtant, en dépouillant des illustrées franco-belges des années 50 et 60, elles constatent que les autrices sont en réalité au moins 7% à exercer ce métier, et certaines qui ont des carrières qui datent depuis les années 30, donc en fait, elles n'ont pas été aussi inexistantes que ce qu'on a tendance à dire et à croire. Et puis, les chiffres de référence pour la production la plus récente, qui sont, la référence était souvent ceux de Gilles Ratier pour la CBD, l'Association des critiques de bande dessinée, ils évaluaient pour leur part, au moment de la dernière recension en 2016, une proportion de 14% de femmes. Et c'est beaucoup sur ça qu'on travaillait. Mais plusieurs études ont montré que ces chiffres étaient en réalité, pas adéquats pour parler des femmes, parce que ces critères étaient trop restrictifs, vu qu'ils prenaient en compte, pour compter les gens dans les auteurs qui recensaient, que celles et ceux qui avaient publié 3 albums au moins. Or, les créatrices, pour plusieurs raisons, n'avaient souvent pas forcément ce chiffre-là, parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles ont des carrières entrecoupées par des vies familiales, parce qu'elles ont plutôt tendance à publier dans des fanzines, vu qu'on leur bouche l'arrêt. Donc beaucoup se revendiquaient comme des professionnels, mais n'étaient en réalité pas recensés par ces chiffres. En se basant sur un autoréférencement, les états généraux de la bande dessinée publiés la même année, en 2016, arrivaient en réalité à 27%, mais on postulait que ce chiffre était 1, sûrement sous-évalué, et en plus, c'est des chiffres qui ont maintenant 6 ans, donc on estime qu'ils ont sûrement augmenté depuis. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que même les décomptes de la CBD, j'ai dit qu'ils sont trop restrictifs, ils constatent que la part des femmes a doublé entre les premières et les dernières recensions, donc entre 2001 et 2016. Or, qu'est-ce qui est arrivé précisément entre deux ? Eh oui, le phénomène blog et le succès qu'on lui connaît. Ce postulat, qui est donc de la centralité d'Internet pour permettre une plus large part des femmes, est aussi partagé par Chris Rains, qui liste aussi les luttes féministes et l'essor du phénomène manga. Thierry Grunstein, pour sa part, il ajoute le succès de Persepolis en disant que c'était un modèle et que les femmes se sont dit « Ah oui, je peux le faire aussi, mais je suis un peu plus sceptique par rapport à cette théorie. » On peut aussi se demander, et c'est Lisa Mandel qui m'en a parlé, et je trouve que c'est assez amusant, de manière un peu provocatrice, si ce n'est pas le fait que la profession se précarise, que tout d'un coup, on est d'accord qu'il y ait des femmes, qu'elles cooptent des femmes, puisque les hommes quittent ces places et vont vers l'animation et le jeu vidéo qui sont plus prestigieux et plus rémunérateurs. Et donc, tout d'un coup, ça permet à des femmes d'intégrer l'accord professionnel. J'aime bien cette théorie, mais je ne pense pas que c'est le facteur principal. Pour revenir à notre propos, on comprend facilement le rôle d'Internet, puisque en postant en ligne, les femmes pouvaient s'adresser directement à un public sans devoir passer par les maisons d'édition. Puisque celles-ci, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres champs artistiques, les beaux-arts, la littérature, la sculpture, ont longtemps joué un rôle de gatekeeper en empêchant sciemment les femmes d'accéder à un boys club bien fermé. Je vais vous citer une citation de Chris Rains qui dit « L'identification des cultural gatekeepers permet de voir comment un type d'art est accepté en tant que tel. Ce sont ces portiers institutionnels à 99% masculins dans la BD francophone, des magazines aux maisons d'édition, qui empêchaient la BD au féminin de se faire voir. » Publier, distribuer, vendre, lire. Internet, en éliminant cet intermédiaire, permet ainsi à une Pénélope Jolicoeur de devenir Pénélope Bagieu, avec Ma vie est tout à fait fascinante, pour laquelle un éditeur se rend enfin compte qu'il y a un marché. Ce rôle de portier excluant a depuis été vraiment bien documenté, et en guise d'illustration, d'anecdote, Marie-Christine Lipani-Weissad raconte par exemple que dans les années 50, Dupuis refusait d'employer des femmes mariées, expliquant ouvertement que leur place était à la cuisine. Merci.
Internet est donc l'une des voies qui permet d'accéder à un statut, une reconnaissance artistique par ses pairs, un statut de pouvoir montrer ce que l'on fait et d'être lu sans passer par les structures et les pouvoirs en place. Les femmes se sont donc rapidement saisies de cette opportunité. Et comme le montrent Erwin Dejas et Frédéric Pack, les premiers à fédérer d'immenses communautés autour de leur blog sont en réalité des premières, puisqu'il s'agit de Laurel et Melaka. Donc on l'a vu, les maisons d'édition sont ravies d'ouvrir leurs portes aux blogueurs et aux blogueuses une fois leur succès établi par ailleurs. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Cette récupération opportuniste, après avoir obtenu cette validation populaire, elle dure depuis le début du phénomène blog, puisque Julien Baudry constate que c'est dès 2004, peu après l'ouverture de leur blog, que les trois dessinatrices Laurel, Melaka et Chat se voient proposer d'intégrer Spirou pour la rubrique 33 Caramboles. On accepte les femmes, ok, mais pas n'importe comment. Ce qui fonctionne le mieux et ce qui aiguise l'appétit de tous les éditeurs, du moins au tout début, c'est la vague de blogs qui sera rapidement estampillée girly par la profession, tant les médias que les éditeurs. Ce type de production en ligne, qui est particulièrement en vogue sur Internet dans la seconde moitié des années 2000, il est défini par Séverine Olivier comme des autobiographies, des autofictions ou parfois des fictions. Les BD de Pénélope Bajut et consorts mettent tout en scène des personnages féminins tournés vers eux-mêmes et leur existence, pas tout à fait fascinantes et plutôt ordinaires. Anti-héroïnes ou héroïnes du quotidien, ces figures féminines se confient et dévoilent leurs obsessions de jeunes femmes au commencement de leur vie professionnelle, en couple ou en quête de l'homme idéal, partagée entre raison et passion, démesurée pour les fringues et chaussures de marque, biberonnée à la culture de masse et influencée par les canons de mode et de beauté édictés par les médias. En réalité, cette définition ne sert à rien, parce que n'importe quel blog autobiographique réalisé par une femme, il est caractérisé ainsi, plus ou moins, quelle que soit l'autodérision face à ces stéréotypes dont font preuve les autrices. Digly, que l'on qualifiait toujours de l'une du top 3 du girly, dit pourtant « Le mot girly, quoi ? Dont j'ai ri ?» Je me suis dit qu'évidemment, j'en prenais le contre-pied. Si on lisait vraiment mon travail, on voyait que j'étais vraiment décalée avec ces trucs féminins. C'est-à-dire que je me chuchais sur des toilettes de 30 cm de travestie, mais en même temps, j'avais de la cellulite dégueulasse, j'avais jamais assez de seins, j'avais des poils, j'étais toujours là pour me moquer de moi et me moquer de ce dont on attend d'une femme. Je ne sais pas cuisiner, il y avait toujours une volonté de rire de ça. Je me suis rendu compte que le marketing qu'on faisait autour de mon travail me vendait comme un produit typiquement fille. Au bout de deux, trois ans, quand j'ai commencé à écrire Forever Beach, à préparer un peu la sortie du livre, je me suis dit qu'il y avait un fossé entre la façon dont on présentait mon travail et ce que moi j'avais l'impression de faire. À l'époque, j'avais 6 ou 7 ans de blog derrière moi. J'avais abordé mille et un sujets, et puis il y avait un ton qui se voulait comme un peu moqueur. Je n'ai pas compris comment j'étais tombée dans cette caricature. Je pensais caricaturer, mais on m'a mise dans la caricature. Ce dont je pensais me moquer, on s'en est servi pour me décrire. Du coup, je me suis dit, il y a un problème. Pour moi, c'est carrément une blague, cette exubérance, ces licornes. C'était tout à fait moi, j'étais hyper exubérante, mais il y avait quand même un décalage et je ne me retrouvais pas dans la façon dont on me traitait dans les médias. Donc malgré cette envie de proposer des choses différentes, uniques, cet auto-positionnement, elle est normalement, donc je disais, toujours citée avec Pénélope Bajut et Margot Motin parmi les fondatrices et les archétypes de la BD girly. Et pourtant, comme elle le montre aussi, son blog, il est lu à 50 à 54% d'hommes selon ses statistiques Google Analytics. Donc c'est vraiment que... voilà. Mais donc les blogs écrits par des femmes ont un vrai succès populaire et cette étiquette, même péjorative, est immense. Donc vraiment au point que les éditeurs, ils veulent faire que ça ou presque et les femmes qui essaient de sortir de ces cases sont pour beaucoup rapidement recadrées. Pénélope Bagieux, qui a aussi été rendue donc célèbre par cette production-là, explique comment fonctionne cette censure et comment il est difficile de sortir de ce carcan qu'elle a créé à son insu. Les éditeurs s'acharnent en effet à publier n'importe quelle nana grâce à laquelle ils pourront vendre une couverture rose, même si elle n'a pas de talent. Moi, quand j'ai voulu dessiner des super-héros, on m'a dit « Il faudrait que ce soit des super-héroïnes, super !» et qu'elles utilisent leur pouvoir pour faire les soldes. Le message de ces éditeurs-là, c'est « Tu es une femme, donc tu t'intéresses aux fringues et aux chats mignons. » Plus que les hommes, les femmes doivent donc faire preuve, une double preuve pour publier en livre des projets qui ne soient pas juste roses, rigolos ou autobiographiques. Si on veut faire autre chose, il faut d'abord avoir du succès en ligne, puis du succès en librairie avec ces projets, et enfin seulement elles peuvent faire valoir des bandes dessinées sur d'autres sujets. Digly témoigne de ça aussi et elle dit « Ensuite, le blog a pris de l'ampleur. Cette nouvelle vague girly s'est étoffée. Et ce que je considérais comme un passe-temps du soir pour me détendre est devenu sujet de centaines de commentaires, lus par des milliers de personnes par jour. Évidemment, les éditeurs ont commencé à fleurir le filon. Avant même de publier Autobiographie d'une fille gaga, pourtant, j'essaye. Je propose un tout autre projet, Anna. J'avais même fait une couverture. J'avais écrit l'histoire et dessiné 20 planches. Tremblante mais forte de mon succès relatif succès naissant, je rencontre alors au FestiBlog 2010 l'un des plus gros éditeurs BD et lui propose mon projet. Quelques mails plus tard, on me le refuse. C'était il y a presque 5 ans. Aujourd'hui, ce projet, je l'ai enfin signé. Le même, à l'exact, que j'ai bien retravaillé, of course. Il fallait juste du temps. Du temps pour que les éditeurs me fassent confiance sur d'autres terrains, tout en profitant de l'ampleur grandissante du phénomène girly avant qu'il ne s'essouffle.
Grunstein remarque en effet que pendant plusieurs années, les femmes, dans leur majorité, je ne dis pas que c'est le cas de toutes, mais majoritairement, quand on essaie de les caser, on les cantonnait à trois grandes catégories, le girly, le récit intime ou la biographie de genre. Néanmoins, cette incursion de la scène blog a ouvert une première brèche, et dans le monde de la BD, que plusieurs femmes se sont pressées d'agrandir de plus en plus au fil des années pour sortir de ces carcans extrêmement limitants. Et puis, comme le remarque Digli dans la citation que je viens de vous lire, le phénomène s'essouffle rapidement et heureusement, les mentalités ont évolué. Grâce à la mobilisation des autrices, notamment, l'étiquette girly a par exemple complètement disparu des lexiques et des classifications. Pénélope Bagieu témoigne ainsi. On ne dit plus girly, mais quel travail ça a été de la part des jeunes femmes de dire c'est possible de ne pas inventer un mot condescendant pour qualifier ma vie? C'est vrai, on n'a pas inventé de mots méprisants pour les hommes qui racontent leur vie en BD. À 22 ans, j'ai écrit des histoires où je galérais dans les stages. Je n'avais plus de fric à la fin du mois et oui, j'avais envie de m'acheter des chaussures. Ce qui a changé dans mon travail, c'est que maintenant, je fais de l'autobiographie beaucoup mieux déguisée, en passant par des personnages connus. Mais je raconte exactement la même chose depuis le début. En outre, ce qui a contribué à cette disparition, c'est qu'il y avait un deuxième phénomène à l'œuvre. À la vague des blogs estampillés girly a succédé une vague de blogs féministes qui, s'ils sont moins importants numériquement, il y en a moins, ont néanmoins assez vite capté toute l'attention de la sphère médiatique qui, rapidement, ne parle que de ça. Et c'est aussi ça qui est le plus lu, le plus repartagé, le plus commenté. Du coup, ça leur accorde une place prépondérante dans la vision que l'on a de la seconde temporalité de la blogosphère, alors qu'ils ne sont pas forcément numériquement ce qui est le plus important, mais ils comptent beaucoup dans ce qu'on pense de la blogosphère. Ce sont parfois des blogs qui sont consacrés à du contenu féministe depuis le début, comme Commando culotte de Myriam Mal, ou alors des blogs autobiographiques qui évoluent vers un contenu et une démarche plus militante, comme ceux de Digli ou de Pénélope Bagieu, ou même celui de Liv Strandquist, qui montre que c'est vraiment une démarche internationale et un mouvement de fond. Ces blogs sont souvent intersectionnels et consacrés à plusieurs types de luttes, comme celui d'Emma, qui est anticapitaliste, ou de Muriel Louru, qui est consacrée à l'éco-responsabilité. Ce changement, ce renouveau, il s'inscrit dans un double mouvement plus vaste de changement des mentalités et de reconceptualisation d'Internet. Comme le montrent de nombreuses études, la période autour de la chute du mur de Berlin et de la fin des affrontements entre blocs géopolitiques et idéologiques est marquée par un désengagement politique de la jeune et de la moins jeune génération. Le féminisme suit le même mouvement et en guise d'exemple, il y en a mille, mais j'ai pris celui dans le livre que je viens de lire, de Rebecca Benamou qui dit « Dans les années 80-90, 80-90, le féminisme perd de la vitesse et le mot est moins assumé. » L'arrivée d'Internet et les outils qui se déploient, blogs, groupes, Tumblr, mails, représentent alors soudain une nouvelle forme de mobilisation et de remobilisation. Ils permettent entre autres la création de liens, de prise de conscience, de mise en réseau, de vulgarisation. Ils sont donc rapidement activés par de nombreux mouvements sociaux et politiques, et en particulier pour les questions féministes et ses militants et militantes. Plusieurs chercheuses et chercheurs ont particulièrement insisté sur la manière dont la dite troisième vague féministe depuis les années 90 s'épanouit dans les nouveaux médias et propose un récit, une thématisation qui ne sont pas abordées dans les médias traditionnels tels que la télé, la presse et la radio. Claire Blandin écrit ainsi « Le web apparaît de fait comme un espace de réactivation de la convergence des luttes, d'autant plus précieux que le féminisme a été, tout au long des 19 et 20e siècles, accusé de détourner les travailleurs de la vraie lutte pour l'émancipation du prolétariat. Il faut dire que les nouvelles générations féministes trouvent dans les nouvelles technologies une réponse à leur attente d'un militantisme moins hiérarchisé. À partir des années 2000, blogs et Tumblr ont renouvelé les possibilités de publication individuelle et les femmes ont été nombreuses à s'en saisir. À la croisée des travaux sur les usages genrés des nouvelles technologies et sur les pratiques féminines d'écriture, on peut s'interroger sur l'espace de libre expression constitué par le monde virtuel pour les femmes. Le phénomène se poursuit et se renforce depuis l'émergence des réseaux sociaux. Les applications issues du web 2.0 déplacent les frontières du militantisme en offrant de nouveaux outils pour faire entendre sa voix. Ils facilitent de nouvelles formes de sociabilisation et d'engagement, passant par un like, l'usage d'un hashtag ou le partage d'un lien. Comme le montre Rémi Riffel pour d'autres espaces militants, Internet propose un nouveau répertoire d'actions collectives et est un symbole d'une réappropriation du débat public par les citoyens les plus politisés. Donc, Internet est vraiment mobilisé par les militantes féministes, mais évidemment, la bande dessinée suit. La vulgarisation, la diffusion de contenus féministes par le biais d'Internet se traduit alors dans et par la bande dessinée en ligne. D'une part, donc, je disais, parce que les mentalités ont changé, et tant les lectrices que les autrices se sentent peu à peu prêtes à s'emparer de ce thème. Digli, par exemple, comme Myriam Mal, explique que sa conscience féministe a d'abord été réveillée par ce qu'elle a trouvé en ligne, et elle explique la maturation de sa prise de conscience et de son positionnement. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y avait des petites pointes dans les posts. Mais je n'osais pas, ni moi, me déclarer féministe, ni aller sur des sujets tabous. J'avais peur des attaques, des débats.
Je suis très mauvaise débatteuse. Je ne sais pas si ce mot existe. Je m'emporte vite, je me blesse très vite. Je me suis protégée pendant très longtemps, quasiment 6 ans. Puis à un moment, je me suis dit que ça devenait nécessaire d'en parler. Je crois que là, en l'occurrence, celui qu'on appelle mon premier post féministe sur le harcèlement de rue a été déclenché parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Donc aussi, il y a cette rencontre entre bande dessinée numérique et féminisme parce que la bande dessinée est un médium particulièrement adapté à la pédagogie et à la sensibilisation. Et il est parfaitement soluble donc avec le féminisme, comme en témoignent plusieurs expériences comme le magazine Anana et tous les fanzines qui en fait se sont consacrés à ce thème depuis des longues années, qui n'ont pas attendu Internet pour ça. Digli raconte aussi qu'elle renforce sa pratique, ses publications sur ce thème, quand elle constate que ses contenus féministes font bouger les choses, ont un impact. Elle dit « J'ai d'abord dû comprendre que j'étais féministe. C'était déjà long pour l'accepter, et puis une fois que ça a été fait, il a fallu faire quelque chose. Trouver sa place. Est-ce que je vais être dans une asso ? Comment je fais pour faire bouger les choses ? » Je me suis dit « J'ai la chance d'être lue, donc j'ai la chance de potentiellement parler et être entendue. » Je crois que le déclic, ça a été quand j'ai fait le post sur le harcèlement de rue et que c'est remonté au ministère des droits de la femme. Je me suis dit « Waouh, si ça remonte de cette façon-là, il faut que j'y aille dans ce sens. » Aujourd'hui, c'est comme un outil de réflexion. Je garde mon personnage, je garde le ton humoristique, c'est un peu décalé, mais c'est plus écrit et ça me permet d'être en contact avec mes lecteurs et mes lectrices et de dire « on réfléchit ensemble et on voit ». Donc de la même manière que les médias traditionnels ont peiné à s'emparer de ces thématiques aussi vite que la sphère en ligne, cette vague de bandes dessinées féministes semblait ne pouvoir se faire que sur les blogs et les réseaux avant de devenir un phénomène grand public en librairie. Digli explique d'ailleurs que si elle a voulu mettre son post sur le harcèlement de rue dans son livre, c'était pour que ce soit ailleurs que sur le net. Donc on voit vraiment que la massification de ce traitement en ligne et sa popularisation en ligne sont un préalable à son incursion dans une popularisation en librairie. Parce qu'en effet, les éditeurs ont rapidement flairé le bon filon, hein, filon qu'ils avaient en partie contribué à créer à leur insu. Eva Cotin explique « C'est le fait d'être étiqueté girly et surtout d'être cantonné à cette étiquette qui a contribué à la prise de conscience de cette génération de dessinatrices. Les a priori sur la BD produite par des femmes, le manque de représentation et de valorisation de leur travail ont mené la plupart d'entre elles à généraliser leur expérience personnelle et à politiser leur position. » Donc cela s'est reproduit dans leur travail et comme ça marchait bien, hop, in fine, sur les étals de librairie. On assiste en effet, je pense que vous le savez tous si vous entrez dans des librairies, depuis les années 2010, à un foisonnement de ces livres dans le monde de l'édition. Le haut de la vague est un peu passé, hein, mais l'année passée, on a eu en tout cas une petite vingtaine, avec des chiffres souvent impressionnants. C'est très réjouissant, mais ça soulève des nouveaux écueils. Déjà parce que il y a des nouveaux pièges avec ça. Déjà, de nombreuses autrices ont été contactées pour des projets de commandes sur ce thème, comme si chaque structure avait absolument besoin de son livre estampillé féministe, même si parfois, elles leur proposaient que des sujets qui étaient des coquilles vides avec aucune nouvelle perspective. On en a beaucoup parlé avec Digli, Myriam Mal et Oriane Lassus lors d'une table ronde, mais j'ai aussi lu beaucoup de témoignages d'autrices fatiguées qu'à nouveau, on les enferme dans un carcan très limitant. Et puis, les autrices font aussi avec ce nouveau thème face aux mêmes critiques que lorsqu'on les accusait de ne se consacrer qu'à leur nombril ou leur shopping, en décrivant leurs ouvrages comme superficiels et sans consistance. Un article sur lequel je suis tombée dit ainsi « On remarque aussi dans ces nouveaux ouvrages dessinés qui parlent du féminisme la tendance à glamouriser des questions et des revendications qui n'ont rien de sexy, avec le risque de laisser de côté une bonne partie de la lutte et de lisser la légitime colère. Ou chez Libération, Manuel de survie guide ou Pop psychologie, ses écrits se veulent concernants, éclairants, pas directement militants, pas de morale, un engagement sobrement expliqué pour dédramatiser un sujet souvent plombé, idéologiquement. » Donc tout se passe toujours, comme si les femmes ne pouvaient jamais rien faire bien et être prises au sérieux. Elles font du militantisme, on les tacle, elles font des choses sur elles-mêmes, on les tacle, voilà. Mais heureusement, lorsqu'on dézoome un peu mon point de vue et qu'on sort du numérique et du blog, on réalise qu'en fait, même si la bataille est encore loin d'être gagnée, cette incursion des blogueuses dans le monde papier a une vraie influence sur la profession et a notamment avec le temps ouvert une brèche hein, et surtout a grandi la brèche qui a permis à plus de femmes et des projets plus différents de trouver leur place sur les étals de librairie, même sans passer par les réseaux sociaux ou les blogs. Et ce, malgré les appétits des éditeurs, qui aiment les cases et les choses qui se vendent, le dilemme girly ou féministe est aujourd'hui largement explosé et il existe des multiples autres choix à disposition des autrices. Aujourd'hui, les blogs ne sont néanmoins plus la norme. Hein. J'ai dit depuis 2016, il n'y a plus vraiment de blogosphère vivante. Et plein les tenants de la blogosphère étonnante sont maintenant sur les réseaux sociaux, souvent, ainsi que plein de nouveaux et de nouvelles BDastes, en particulier sur Instagram. À l'image de ce qui se faisait sur les blogs, et malgré les contraintes plus rigides imposées par la plateforme, la création continue de se définir par sa diversité. Il y a aussi des données qui se gardent, comme l'antéchronologique ou le côté par fragments, et puis toujours une grande importance de la notion de communauté,
puisqu'il est fréquent de voir des choses comme des crossovers, donc des gens qui font des partenariats, comme ici La Nuit Remue avec Caro Zinzin, ou des reposts pour s'inviter, pour se repartager, pour que tout le monde gagne en visibilité. Le cheveu blanc invite à aller voir Strip Club. Et puis, comme pour les blogs, l'interactivité avec le lectorat est aussi une caractéristique importante, encore peut-être plus poussée sur les réseaux, avec les différents outils qu'ils permettent, comme les sondages, les réponses en story, les messages en privé. Ici, un exemple de La Nuit Remue qui fait un teaser pour Mythe et Meuf, sa série sur le compte de Matin, qui incite à une interaction avec son lectorat. Et bien évidemment, comme pour les blogs, il existe des enjeux typiquement liés à la question du genre et qui s'inscrivent dans la continuité de tout ce qu'on vient de voir. En commençant par le réjouissant, on constate qu'il existe toujours aujourd'hui un pan féministe très dynamique, porté notamment par des autrices issues de la blogosphère, mais aussi provenant d'une nouvelle génération, donc des artistes plus jeunes, qui continuent de mobiliser Internet, genre et bande dessinée, dans une perspective militante. Et le public suit largement. Ici, j'ai deux exemples. La Nuit Remue, Paris, qui a presque 70 000 abonnés et abonnées, ou Gomarcu, j'ai mis des styles assez différents, près de 40 000. Et puis, on s'en doute, hein, ces deux autrices, mais toutes celles qui marchent bien, elles sont évidemment récupérées... Elles ont des livres en librairie. Alors, c'est très réjouissant, je suis très contente pour eux, mais on voit qu'il y a des choses qui perdurent et ne changent pas. Je peux vous citer encore About Evie, Le Cheveu Blanc, Médusa Gorgone, Nidonite, Marine Spack et Maclit. Il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve une sorte de fusion entre ce que l'on estampillait jadis girly, avec les guillemets que l'on met, hein, et le féminisme. En effet, il existe un nombre très important de personnes qui choisissent d'utiliser Instagram pour publier des histoires de bandes dessinées qui mettent en scène leur quotidien et plus spécifiquement la parentalité. Vous vous en doutez, je pense que ce n'est pas une surprise. Comme on peut le voir à l'écran, il s'agit principalement de femmes, donc on va plutôt parler de maternité. À plus de 85% quand on parle famille et anecdotes du quotidien, avec des enfants, c'est des femmes. Et ce qui est intéressant, là c'est un échantillon qui a été rassemblé par Maëlys et moi, c'est que côté de le fond, la grande majorité mobilise une esthétique que vous allez toutes et toutes identifier rapidement, qui ressemble à celle de Margot Motin, en grand ici, sur la haut gauche de l'écran, et qui était vraiment l'archétype de la vague girly. Donc il y a une reprise des gammes chromatiques, fluo, rosé, pastel, des silhouettes longilignes, du trait, des aplats de couleurs, de leur utilisation dans les bulles, dans les cadrages. Et voilà, donc il est intéressant de noter que, alors que j'ai dit au tout début, la création sur Instagram est formellement et visuellement très diverse, sur ce thème, on a une grande cohérence. Cette cohérence graphique, elle est telle que même les quelques hommes qui traitent de la parentalité, ils ont souvent tendance à utiliser des codes esthétiques pareils, même si il y a quand même une importance du noir et des textures un peu plus importantes. Plusieurs autrices, c'est là où je voulais en venir, utilisent la bande dessinée comme un support pour raconter leur vie de famille toute neuve, les émois, les péripéties et les situations cocasses que cela implique. Très bien. Mais un nombre important d'autrices qui utilisent ces codes détournent plus ou moins explicitement les attentes qui pèsent sur les épaules des jeunes parents et surtout des mères. Et elles choisissent de représenter presque exclusivement des moments où elles échouent ou lors duquel elles ne correspondent pas à l'idéal de la mère parfaite. Cette démarche doit évidemment bien sûr se comprendre dans la continuité des blogs autobiographiques qui jouaient aussi avec l'autodérision et qui mettaient en avant des moments d'échec ou des anecdotes embarrassantes. Néanmoins, quand on sait que la maternité est un contexte dans lequel les comportements des femmes sont particulièrement normés et critiqués et sur lesquels pèsent de lourdes attentes, le fait de mettre en avant des situations qui n'y correspondent pas et de les banaliser constitue, de manière consciente ou non, une véritable démarche féministe. Et chez plusieurs autrices, c'est même conscient. Alors c'est intéressant parce que là, on voit que celles qui reprennent le plus fidèlement les codes du girly sont souvent les plus premiers degrés. Et là, celles qui thématisent explicitement qu'elles veulent faire différemment, bah, c'est celles où il y a un petit peu moins de rose. Et je tiens aussi à dire qu'il y a des filles qui mobilisent l'esthétique du girly sans parler maternité. Mais on a quand même souvent une assez grande rencontre entre dédramatiser la maternité et une esthétique assez attendue sur ce qu'on estampillait fille-fille. Et puis, dans la bande dessinée comme ailleurs, hein, Internet a tout, et particulièrement les réseaux sociaux, ont aussi un pan très négatif lié à la question du genre. Il y a un côté positif, le fait d'être vu, le fait de pouvoir publier ce qu'on veut, mais les femmes qui publient en ligne font fréquemment face à des cas de harcèlement sexuel ou des propositions vraiment problématiques, comme le montrent les deux témoignages ici à l'écran de Céline Bayeux et FL Illustration. Parfois, elles reçoivent des dick pics, hein, je ne vous ai pas imposé ça, ou des commentaires non sollicités, il y a de l'invasion de la sphère privée, il y a des fois des menaces physiques, comme ici, si vous lisez chez Céline Bayeux, la personne qui déclare être en route pour la voir, donc merci de la joie. Et il y a aussi, évidemment,
si les autrices ont le malheur de mettre leur tête en image, évidemment, des commentaires sur leur physique, comme Si, qui est très très active et qui fait beaucoup de publications pour aider les auteurs et les autrices et la situation précaire dans laquelle ils se trouvent, et ben elle, qu'est-ce qu'elle a comme retour? Des mecs qui lui disent que franchement, elle était mise en blonde et commenter son physique. Il y a aussi des cas de harcèlement moral et des trolls, donc, dont sont coutumiers n'importe qui milite de gauche sur les réseaux. Mais les autrices qui proposent un contenu féministe ont ici une double peine, hein, en tant que femme et en tant que militante progressiste. Vous qui toutes, qui, si vous fréquentez les réseaux, vous savez que la lutte est encore longue et qu'il y a encore beaucoup à déconstruire. Je parlais il y a quelques secondes à peine de la volonté de revenir sur le modèle de la perfection maternelle et des choses qui sont apparemment anodines génèrent en réalité des sujets et des commentaires qui me paraissent invraisemblables en 2021 ou 2022. Ici, Lise Desportes, alias Lily M. Le Nougat, qu'on a vu avec le guide des parents indignes, le club des parents indignes, fait état d'une vague de haine à son encontre pour avoir voulu proposer une règle parentale qui s'écarte apparemment de la norme attendue, en l'occurrence un bain tous les jours. Mais il est apparemment très difficile de se représenter en tant que femme, puisque de l'autre côté, celle qui se prête aux stéréotypes attendus et qui essaye d'en jouer sans renverser complètement les normes et les attentes de genre, subissent aussi les critiques et le harcèlement, à l'image de cet exemple d'Ivana, qui a voulu jouer sur le fait qu'elle a de la peine avec les créneaux et se fait reprendre à l'ordre puisqu'on lui dit « non mais quand même, tu desserres la cause ». Donc voilà, être une femme sur Internet, c'est jamais bon. C'est jamais gagné, on n'est jamais... Vraiment, ces cas-là sont plutôt minoritaires et voilà, mais... Difficile. Et puis, les femmes sont aussi rappelées à l'ordre par le réseau en fonction du contenu de ce qu'elles postent. On sait par exemple toutes et tous ici que les tétons féminins ne passent pas sur Instagram, alors que les tétons masculins, oui. Imaginez un peu la masturbation féminine. Et la représentation de relations sexuelles, ça ne marche pas non plus, et sont rapidement censurés. Ici, l'exemple de Héloïse Marseille, qui, je vais vous traduire, dit « Alors, j'ai posté une bande dessinée cette semaine, c'était à propos de la masturbation. » Instagram l'a effacée deux fois, même si je l'avais massivement censurée. Ils ont aussi supprimé une story dans laquelle je l'ai rappelée à l'ordre et où j'encourageais les gens à aller voir mon Patreon pour accéder à tout. What the fuck. Je veux donc rendre, je veux pas contrarier les dieux d'Instagram, donc voici ma bande dessinée complètement censurée. Donc, on peut pas représenter n'importe quoi, même en dessin, quand on est une femme. Et puis, là, c'est aussi le compte Matin qui s'est fait censurer parce qu'il voulait parler de contraception et puis mettre une femme à l'aise dans une relation BDSM. Non, non. Et puis, il y a aussi un problème pour celles et ceux qui mettent en image la parentalité. On a dit que c'était plutôt des celles que des ceux. Et s'il y a bien une chose qu'Instagram a en horreur plus que tout au monde, le tabou, c'est la nudité enfantine, et même en dessin. Donc les auteurs et les autrices, parce qu'il y a quand même quelques auteurs, Livio en l'occurrence, ont dû supprimer des posts ou les modifier. Là, dans le cas en bas, c'est une collaboration avec La Nuit Remue, où ils montraient les attentes différentielles entre pour un petit garçon et une fille. Ils ont dû leur mettre des justes au corps, parce qu'Instagram ne voulait pas que ces mini-enfants, au trait le plus simple, soient sexuellement nus. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Cette censure n'a rien d'anodin et elle est parfois terrible pour celles et ceux qui tirent leurs revenus et leur visibilité de leur présence en ligne, puisque leur compte peut se faire ce qu'on appelle shadowbanner. Donc ça veut dire rendre invisible à toute recherche, ne plus apparaître dans les suggestions et puis pendant des jours. Et ça peut ruiner tous les efforts consentis jusque-là, parce que beaucoup dépendent de la plateforme pour vivre et pour être vus, parce que c'est comme ça qu'ils ont des partenariats et tout ça. Et surtout, c'est beaucoup de temps investi, souvent gratuitement. Hein, et voilà, donc c'est problématique pour les femmes qui ne peuvent pas représenter les dessins et ce qu'elles veulent comme elles veulent. Il y a encore plein d'autres problèmes liés à l'utilisation d'Instagram et consorts, comme la forte dépendance aux réactions des utilisateurs, hein, encourager le like, encourager le repartage, qui permet d'éviter d'être invisibilisé, le fait que ces interfaces exigent de plus en plus souvent que les auteurices payent de leur poche pour être visibles, la standardisation faite par les conditions extrêmement restreintes d'utilisation, la surproduction, le vol de comptes, le vol des images, mais tout ça ne sont pas des enjeux spécifiquement liés au genre. Mais voilà. Pour conclure, j'espère que ce bref panorama qui tente de mettre en relation bande dessinée numérique, en tout cas une partie de la production et genre, vous a plu et vous a parlé. Il est vraiment capital que des initiatives comme celle des Bréchoises aient lieu, puisque, en particulier dans ce domaine et dans la démarche historico-sociologique qui était la mienne et qui occupe un peu mes démarches. En effet, il y a une vraie fragilité de la mémoire et de la matière numérique, et si l'on ne se mobilise pas au quotidien et avec des moyens forts, on risque de passer à côté de nombreuses œuvres et en particulier d'occulter à nouveau des productions de femmes ainsi que leur place réelle au sein de la profession. En effet, travailler sur des œuvres numériques est actuellement un véritable défi, puisque ces œuvres numériques disparaissent de manière régulière, inattendue et inéluctable. Et ce, pour de nombreuses raisons. La première, c'est les évolutions du software, donc les langages informatiques, qui fait que les mises à jour font que certaines œuvres,
parfois ne sont plus lus sur des nouveaux systèmes d'exploitation. Et le plus dramatique à ce niveau-là, c'est l'abandon de Flash par Adobe en début d'année passée, qui a condamné un nombre incalculable de productions écrites dans ce langage et qu'on ne peut plus lire aujourd'hui. Surtout que les auteurs et les autrices n'ont en général pas le courage, ni le temps, ni les moyens de s'amuser à recoder une œuvre qui a parfois plusieurs années et donc plus forcément de visites puisque tout va très vite. Il y a aussi les évolutions du hardware, hein, parce que grâce à l'évolution technologique et à cause de l'obsolescence programmée, de nombreuses œuvres sont illisibles parce qu'on n'a juste plus les machines pour les lire. Je pense principalement ici aux CD-ROM, parce que bonne chance si vous voulez lire un CD-ROM comme ça aujourd'hui pour travailler dessus. On peut trouver un peu un recours avec l'émulation, mais alors on n'a plus accès à l'objet boîte, qui contient de nombreuses informations précieuses, et on perd aussi un peu de l'expérience de lecture initiale, donc on ne saura plus ce que c'est d'avoir un mini-écran, un gros clavier qui fait ploc-ploc et une image qui frémit. Et puis, il y a aussi l'absence de dépôt légal systématique. Alors, la BNF, reconnaissons-lui ça, sauvegarde certains blogs et certains sites, mais les blogs, je l'ai dit, par essence, sont évolutifs. Difficile de savoir si les robots, les robots ne vont jamais tout avoir, hein, parce que ce qui collecte à un moment T, tout ce qui est après ne l'est pas, et surtout, ils ne vont jamais très loin dans l'architecture des sites. Et puis, comme aussi parfois, ils font bien le travail, mais certaines productions de BD sont vendues, et il faut un mot de passe. Et par exemple, j'étais hier à la BNF, les autres gens de Thomas Kaden, tout est là. Mais le robot moissonneur ne sait pas faire pour que, si on a un nom d'utilisateur et un mot de passe qui était valide à l'époque, si on les entre, en fait, ça retombe sur une image figée d'archive. Donc en gros, tout est là, mais tout est inaccessible à jamais. Et puis, comme il n'y a pas vraiment de modèle économique pérenne, ce sont aussi souvent les auteurs et les autrices eux et elles-mêmes qui tirent la prise, parce qu'ils et elles ne désirent pas payer encore des noms de domaine à d'Eternum pour des sites qu'ils ont fait il y a quelques années. Ou alors, il y a aussi des cas de retrait volontaire, comme Lewis Trondheim, qui a un blog qui s'appelle Petit Rien, et dont les posts disparaissent au fur et à mesure pour pousser les lectrices à acheter ses livres. Il y a aussi le problème de l'abondance et des systèmes d'interface, parce que s'il y avait des milliers de bandes dessinées en ligne sur les blogs, hein, je parlais de 15 000, personne n'a encore fait, et ce serait de la folie, une recension sur les réseaux sociaux, il y en a encore beaucoup plus. Et là, je vous ai parlé que je m'attaque vraiment qu'à la sphère francophone, donc tout ce qui est anglophone ou américain, voilà. Mais même sur la sphère francophone, c'est des chiffres astronomiques. Et ces réseaux, le problème, c'est que comme il n'y a pas, enfin, les gens publient là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres plateformes consacrées à la BD, mais ils sont pensés comme des flux continus. Donc une image va rapidement être remplacée par l'autre et disparaître de notre vue, souvent même avant que on ait la possibilité de les voir. Et puis, donc, ce qui veut dire, par exemple, les stories, elles durent 24 heures, donc si on n'est pas tout le temps sur les réseaux et qu'on suit des centaines de comptes, en fait, on va passer à côté de plein de choses. Et puis, il n'y a pas vraiment de système d'archivage, donc naviguer dans des publications anciennes, il faut aller voir chaque compte individuellement, c'est très compliqué. Et puis, ces réseaux sont aussi pensés comme des machines à sous, si on veut être poli. Les auteurs et les autrices sont souvent invités à créer du contenu, donc gratuitement, mais pire, à payer pour sponsoriser leurs posts, sans faute de quoi ils et elles ne seront souvent pas montrés à leur communauté, donc des gens qui sont pourtant abonnés à leur travail. Et beaucoup d'auteurs et d'autrices font régulièrement état de moins de 10% de leur communauté qui voient leur post parce que l'algorithme les punit vu qu'ils ne donnent pas d'argent à Instagram. Dans ces deux cas, on passe facilement à côté de données importantes pour dresser à la fois l'histoire et l'état du champ. Et voilà. Mais tous ces problèmes ont parfois des solutions et la sensibilisation du public, des auteurs, des autrices et des institutions en est une. Du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que ça vous a plu et je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, merci beaucoup, Gaëlle. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi en ligne. On a déjà deux petites questions pour toi qui sont arrivées dans le chat. Donc, il y avait Maris qui déjà te remerciait pour cette intervention passionnante et qui demandait concernant le cyberharcèlement vécu par les autrices, est-ce que tu sais si elles ont déjà fait un recours juridique ? Pas que j'ai vu passer sur les réseaux. Donc, je suis beaucoup sur mon téléphone et sur Instagram pour le travail, mais je ne crois pas que j'ai vu passer ça et je pense qu'on en aurait entendu parler. Et surtout, il y a quand même cette de plus en plus grande tendance à se mobiliser, notamment dans des choses comme la charte pour les créatrices contre le sexisme, mais je pense que ça serait aussi passé par relayé par ça. Donc, je n'ai pas connaissance de choses qui est dans ce sens-là. Et une deuxième question de Maria Victoria qui demande quel est l'accompagnement juridique que peuvent avoir les autoristes de bandes dessinées en Suisse pour protéger leurs œuvres, notamment en cas de censure. Alors, si elle est suisse, je l'encourage à aller voir la SCA, S-C-A-A, qui est le syndicat des auteurs et autrices de bandes dessinées en Suisse, parce que je n'ai pas connaissance. Alors, pour le vol des images, techniquement,
Moi, je pensais aussi que l'un des problèmes, c'était qu'Instagram les récupérait, mais c'est écrit que, enfin, dans les conditions, c'est écrit que les images appartiennent à la personne qui les poste et ne peuvent pas être réutilisées. Donc, logiquement, on devrait pouvoir attaquer ces comptes, mais enfin, il faut imaginer l'énergie, l'argent que ça nécessite. Et j'ai pas connaissance. Peut-être que vous, oui, mais j'ai pas connaissance de gens qui se sont battus pour des vols numériques. Parce que voilà, alors ils se battent. Le meilleur outil quand on se fait voler, ce que je peux dire de ce que je vois, c'est de mobiliser sa communauté et de faire des reposts. Ça marche très bien. Parce qu'il y a tout le temps des cas de comptes qui pompent des images à d'autres, des planches de BD, sans, en effaçant même le nom de l'auteur, parce que maintenant les autoristes font un peu attention et mettent un trait de marque. Et ça arrive que souvent que des comptes les récupèrent et enlèvent. Et après ils font ouais, non, je ne savais pas qu'on pouvait pas. T'es là, oui, mais t'as enlevé. Mais de mobiliser, alors, parce que la justice est lente, c'est cher, c'est compliqué, de mobiliser et de faire parler. Ça permet de récupérer. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Bon, bah, je vais me redonner la parole parce que c'est normal quand on est un peu cher. Je me demandais justement, quand tu as mentionné les autobiographies, si tu t'étais un petit peu intéressée au lexique qui pouvait être utilisé pour qualifier typiquement les récits autobiographiques d'hommes et de femmes. Je vais couper mon écran parce que ça a sauté. Oui. Est-ce que si je coupe, ça coupe ? Non. Tu peux appuyer sur le gros bouton de la télé en plein milieu. Hop. Donc tu disais ? Je me suis demandé si tu t'étais intéressée justement à la qualification des récits autobiographiques, puisque tu le dis toi-même très bien que le girly, c'est aussi avant tout pour un certain nombre d'autrices de l'autobiographie, mais que ce n'est pas qualifié comme tel. Et je me suis demandé si tu étais allée voir de plus près justement la question du marketing des albums, parce que tu en as discuté notamment avec Digli. Pas encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour approfondir cette perspective de genre, comment on qualifie ça, mais c'est marrant parce que pas beaucoup de monde se revendiquait, enfin personne se revendiquait de l'étiquette girly, et c'était vraiment un truc que tout le monde, en tout cas beaucoup de femmes subissaient, donc j'ai pas l'impression que ça a été mobilisé autrement que pour dire, si jamais ce que je fais c'est pas ça. Et, mais parce que beaucoup de femmes avaient vraiment l'impression de faire de l'autobio, et c'est comme ça qu'elles qualifiaient leur travail en tout cas. Je ne connais pas de femme qui s'est auto-présentée comme girly. Sauf celle qui n'était pas connue, puis qui était marketée comme ça et qui n'avait pas le choix parce que c'est comme ça qu'on les a. Okay. Alors, si vous n'avez toujours pas de questions dans la salle, je vais continuer, puisqu'on en a d'autres qui sont arrivées dans le chat. Donc, Pierre Nocerino qui nous demandait « Au temps du blog de BD, le livre était une voie vers la professionnalisation. En raison de la légitimité du médium plus, les rémunérations et les opportunités de revenus accessoires. » Alors, ah oui, j'attends la suite parce qu'elle est en train d'être écrite. J'avais pas vu tout de suite. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres voies de professionnalisation qui existent ? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait d'autres voies que le livre ? Que ce soit les produits dérivés, les sponsors, etc. Alors, plusieurs, quelques, je sais pas si ça répond vraiment, mais il y a de plus en plus de choses qui étaient en ligne qui sont maintenant des films d'animation. C'est un peu la mode. Il y a Marion Montaigne, il y a Libre de Digli, et puis il y a aussi Théo Grosjean, en fait, je peux montrer ça quand même, qui était un produit pur Instagram, calibré pour Instagram, qui va avoir son adaptation cinématographique. Donc voilà. Produits dérivés, ben, à tous ceux que les auteurs et autrices qui essayent de se faire un Patreon et y créent compte. Voilà. Et puis il y a aussi des initiatives quand même qui se mettent en place par le numérique, comme Exemplaire, la maison d'édition de Lisa Mandel, qui prend principalement jusqu'à maintenant des gens qui ont publié sur Instagram et qui attend qu'ils aient une communauté assez grande sur les réseaux sociaux et qui après en fait des livres. Et à quoi je pensais encore, mais je vais vous montrer Théo Grosjean. Il s'appelle un homme, l'homme le plus flippé du monde. Et donc, voilà, ça va devenir, ça a été repéré, ça va devenir un film d'animation, c'est assez chouette. Puis il y a plusieurs cas comme ça. Et puis ben, voilà, il y a tout ce qui est aussi l'auto-édition qui perd du numérique parce qu'il faut une assez grande communauté pour pouvoir en vivre et passer hors des structures comme ça. Mais c'est pas possible pour tout le monde, quoi. Quand on a moins de 10 000 personnes, on va pas vivre de l'auto-édition et des goodies qu'on crée pour satisfaire nos lectrices.
La question, c'est est-ce que tu as connaissance de blogs faits par des couples, par exemple des couples homo, gays, ou des. Donc, typiquement, en fait, des créations d'hommes, mais qui seraient voilà, sur d'autres types de parentalité, ou qui parlent de leur paternité, des enfants, des petits-enfants. Voilà, j'en connais pas, moi, personnellement, donc il y en a sans doute. Alors, bah, j'ai montré quatre. Alors, couple homosexuel. Alors, il y a des couples homosexuels sans enfants. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Jérôme. Et puis, sinon, il y a tous les parents, c'est plutôt des parents. Tous les pères, c'est toujours dans des relations hétérosexuelles. Il y en a 4, 5. Il y a aussi, ça c'est assez intéressant parce qu'il y a l'homme étoilé qui parle plutôt de sa pratique professionnelle autour de. Il est infirmier aux soins palliatifs. Et lui, mais de plus en plus souvent, c'est venu avec la pratique sa fille. Et au début, c'était pas du tout, il n'est pas du tout parti de ça. Mais voilà, il l'a de plus en plus intégré. Je trouve que c'est plutôt un contre-exemple de se dire que d'habitude, les mecs, ils font des trucs plus. Des récits, des anecdotes. Et voilà. Et lui, il y est venu petit à petit. Mais c'était pas le cœur de son récit au début. Mais si je peux te donner des noms après, si tu veux, des hommes qui mettent en scène la parentalité sur les réseaux, je les ai affichés, je te les donnerai après. Et on a encore Armelle Veil dans le chat qui dit, je ne sais pas si tu as rencontré des hommes, elle a malheureusement pas pu assister au début de ta présentation, qui eux n'ont pas réussi à profiter de cette brèche qui aurait commencé à produire d'autres formes narratives, des trucs perso. Note entre parenthèses notamment Sfar et son bébé et sa femme, ou donc Théo Grosjean que tu viens de mentionner, tout en réussissant à gagner dans le rapport de pouvoir parce qu'ils sont valorisés par leur nouveau regard qui est girly sans l'être. Je suis pas sûre que j'ai compris la question. Alors, je vais relire, Armelle, je désolée. te remercie. Donc, est-ce que tu as rencontré des hommes qui n'ont pas réussi à profiter de cette brèche, donc commencer à produire d'autres formes narratives, des trucs perso, mais qui ont réussi à gagner dans le rapport de pouvoir parce qu'ils sont valorisés par leur nouveau regard, notamment sur des sujets qui pourraient être girly. Tu dis que parce que c'est des mecs qui parlent de leur paternité, on dit oulala, ils sont trop forts? C'est ça, c'est moi qui fais une relecture de la question. J'ai changé quelques petites formulations parce que ça me semblait plus simple. Armelle, corrige-moi si je me trompe. J'allais voir le compte de Sfar et j'ai l'impression qu'il met un peu son enfant, mais pas tellement dans le cadre de ses dessins. Enfin, c'est pas sa pratique numérique est pas tellement centrée sur sa paternité. Ah pardon, elle dit des hommes qui ont réussi, qui auraient réussi justement sur ce créneau girly. Oui, bon, il y a le plus connu, celui qui marche le mieux, c'est Paco, le conjoint de Margot Motin. Donc, il y a le plus l'esthétique qui ressemble avec ses couleurs pop, flashy, à la fois pastel, et ça met beaucoup. Lui, c'est celui qui marche le mieux. Il a quand même un sacré paquet d'abonnés. Difficile à dire si c'est parce que c'est sa famille, parce qu'il fait un partenariat assez connu avec Margot Motin, mais lui, voilà, c'est un exemple qui a réussi et qui met ça au premier plan. Il y a un qui s'appelle Papa Cube, mais qui fait plutôt des collaborations. Et je tiens à montrer quelque chose, désolée de faire du shame, mais il a fait un post qui me pose vraiment personnellement un gros problème. Bon, je le trouve pas, mais lui, il parle un peu de ça, alors plutôt de sa relation de couple avec un petit peu les enfants. Et puis, il y a Yannick Dessine aussi. Mais ils n'ont pas autant de succès que les filles, à part donc Paco. Graphique. C'est vrai qu'il fait, mais lui c'est pas vraiment pour les. À la base c'est plutôt pour la presse. Oui, c'est vrai. Et là, avec tout ce jeu sur la présidentielle de 2022. Cas, merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu et. Bah, merci beaucoup Gaëlle de t'être déplacée Vu ma parce que Suisse lointaine. on sait qu'en ce moment c'est pas forcément facile. Et puis on vous remercie également de nous avoir suivis et d'avoir posé autant de questions.